réglages du display, choisissez Canal 1 ou Canal 2. Ensuite, vous déterminez le temps de travail selon le tableau dans le guide de travail avec les flèches en augmente ou en descente, 45 minutes. En préférence, mode 2. Mode 2, l'hypofrise va chauffer pendant 3 minutes et après il va descendre vers 5 minutes et il va rester sur le froid. Mode 1, il va chauffer, il va redescendre vers le froid, moins 5, et après 20 minutes, il va donner un coup de chaud de nouveau. Alors en préférence, on travaille sur mode 2. Temps du cycle chaud, 3 minutes. Température, 42 degrés. Température vers le froid, selon le tableau, moins 5, moins 8, moins 11. Mode de pression, 1 ou 2. 1, c'est le mode de pression ou d'aspiration intelligent. Il va déterminer l'intensité de 30 kPa. Il va rester intelligemment sur cette aspiration. Si vous choisissez mode 2 et vous appuyez une deuxième fois sur le bouton du cryode, la fonction massage va démarrer. En préférence, on prend mode 1. De suite, j'appuie sur démarrer. L'écran du cryode est affiché. Maintenant, j'ai à placer le cryode sur ma patiente et appuyer sur le bouton du cryode même.